Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis venu vous dire. Voilà. Alors, comment un type comme Glucksmann, qui se la joue mondain, snob, peut-il oser s'allier, ou mieux, rester allié, parce qu'il était déjà allié, il est toujours allié, avec LFI, la France Insoumise. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, qui est scandaleux, dramatique, et qui pèsera très lourd sur l'avenir de la France. Car en agissant ainsi, il garantit aux antisémites de gauche de nombreux députés. Il ne faut pas se tromper. Si on analyse bien les scrutins, si on analyse bien les projections, si on fait en sorte que l'on voit ce qui se passe, il risque fort d'y avoir une majorité de la gauche réunie dans ce nouveau front populaire, plutôt que je l'appellerais ce nouveau front fasciste. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable, parce que déjà, ça sera comme une guerre civile pour nous, et surtout, il faudra avoir les moyens de pouvoir se tirer de ce pays qui sera devenu une vraie poubelle. Parce que les gens ne lisent pas les programmes, les gens n'écoutent pas ce qui se dit, mais l'idéologie qui domine cette union de la gauche, c'est une idéologie raciste, anti-française, et qui va ouvrir encore plus, il faut le faire, les vannes de l'immigration sur la France, qui n'a plus les moyens du tout d'y faire face aujourd'hui, il faut le savoir, il faut le dire, et ce n'est pas être raciste que de dire une vérité. Et puis même si c'est être raciste, on s'en fout, ce sont eux les racistes. Alors, on nous dit, oui, mais l'extrême droite nous amènerait au désordre, à la ruine. Alors moi, j'ai trouvé ça fantastique, parce que quand... la gauche, la nouvelle gauche, là, vous propose un SMIC à 1600 euros, vous n'avez personne qui trouve ça gênant, ruineux, etc. Par contre, quand un programme en face va dire quelque chose d'anodin, alors là, tout de suite, c'est la ruine, c'est foutu, on ne pourra pas faire face et tout. Mais qui, aujourd'hui, a coulé l'économie française? Ben, écoutez, c'est simple, c'est Hollande, plus Macron, c'est-à-dire ça représente depuis 2012, 12 ans, bon, elle a coulé un peu avant, parce que Macron, il a réussi à la couler très vite, mais bon, ça fait 12 ans qu'on se tape cette gauche caviar, cette gauche qui, aujourd'hui, a ruiné le pays, il faut le dire, quoi, et qui ne fait rien contre la violence, et qui ne fait rien contre le racisme, le vrai racisme, pas le racisme bobo, là, de ces gens qui vous disent « Oh, ceci, cela ». Non, le vrai racisme, celui qui se traduit dans des faits et des actes violents. Voilà. Et ça, c'est ça qui est le plus grave. Donc, je dis, votons utile, éliminons cette gauche sectaire et raciste. Parce que 250 attaques au couteau, à peu près, par jour, il y en aurait 100 par jour à Paris. Vous le savez, ça? Personne ne veut publier ces chiffres-là. Mais ce sont des chiffres officiels. On ne les a pas inventés, ils ne sont pas descendus du ciel. Vous avez la multiplication des crimes islamistes. Maintenant, on vous dit, oui, c'est un type déséquilibré, il n'était pas bien dans sa tête et tout. Mais le gars, quand il crie, hein, le fameux slogan là, « Allah Akbar », il n'est pas déséquilibré, celui-là. Hein. Et ça, on fait comme si de rien n'était, on enlève, on fait que... bon. Alors, il y a autre chose aussi que je n'apprécie pas, c'est le fait qu'on s'approprie le nom de Front Populaire, qui a existé, ce Front Populaire, hein, avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Moi, je dirais que c'est plutôt le Front des racistes et antisémites qui vient de sceller son union. Les anciens du PS doivent être très mal dans leur peau. Hein. Je pense que certains doivent même... être dégoûtés et tout, et qu'ils voteront même pas, c'est sûr qu'ils voteront pas pour ces gens-là. Bon, c'est quand même incroyable. Alors, dans ce pays, il y a deux pays, en fait. Il y a la théorie et la pratique. Et dans la théorie, on a toute cette gauche-là, bien-pensante, qui finalement est la vraie... les vrais fascistes, ce sont eux. C'est clair et net, maintenant. Il suffit de voir. J'ai appris des choses sur une des candidates de la France Insoumise. Je ne sais pas encore si je vais publier ou pas, mais c'est démentiel, quoi. Hein, on est dans la démence la plus totale. On a affaire à des gens qui sont complètement
idéologiquement complètement pourris, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, je cherche, hein. Je cherche, je ne trouve pas, ils sont pourris ces gens-là. Alors en théorie, évidemment, tout est planifiable, calculable, et l'on peut gouverner qu'avec des sondages et des études d'opinion. La réalité n'a plus d'importance. En pratique, l'autre pays, tout repose sur les faits, vous voyez un peu la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, exemple, il y a une petite fille qui se fait violer, là, agressée, tabassée, menacée, etc., à Courbevoie, elle avait 12 ans, eh bien, on a un président, qu'est-ce qu'il fait? Il va organiser bientôt, on ne sait pas quand, une heure d'échange dans les écoles pour parler du racisme et de l'antisémitisme. Alors, je vais vous dire une chose aussi, le racisme, ce n'est pas l'antisémitisme, et l'antisémitisme, ce n'est pas du racisme. Il y en a marre qu'on mélange tout pour édulcorer tout ce qui se passe ici. Parce que c'est en faisant ce mélange qu'on absout d'avance ce qui s'est passé ou ce qui se passera. Et c'est ça le plus grave. Et cela n'est plus acceptable. Et je vais vous dire franchement, si on m'avait dit un jour que je voterais pour le Rassemblement National, j'aurais dit non, quand même, il ne faut pas exagérer, on nous a tellement bourré le mou là-dessus. Mais quand vous avez un type, je cherche ce qu'il a dit parce qu'il faut toujours ne pas se tromper, quand vous avez un type, par exemple, comme Mélenchon, qui a dit, suite au viol, l'antisémitisme est résiduel. Est-ce que vous voyez, vous, une différence avec les paroles qu'avaient dit, les fameuses paroles de Jean-Marie Le Pen à son époque? Moi, j'en vois pas. Voilà. C'est la même chose. C'est le même antisémitisme, quoi, qui continue. Et on a, alors là, c'est Sandrine Rousseau d'y avoir du mal à être dans un parti antisémite. Mais alors, si tu le sais, pourquoi tu restes là-dedans, toi? Hey, Sandrine, faut pas déconner quand même. T'es grande, hein, toi qui... je vais te dire d'ailleurs le nom, comment ça s'appelle, les gens qui font comme toi. Ça s'appelait dans les camps de concentration des capots. Ça, c'est les gens qui collaboraient avec les nazis et qui étaient finalement contre les leurs. Voilà, capot. K-A-P-O. Donc Sandrine, si tu te sens pas bien, hein, toi d'habitude qui es une grande gueule, pourquoi tu t'en vas pas? Pourquoi tu dénonces pas ça, hein? Pourquoi? Là, ça te gêne pas trop quand même? Alors, il faut arrêter les conneries, quoi. Vous voyez tout ce problème. On a battu, menacé, violé une petite fille de 12 ans parce qu'elle était juive en France, à Courbevoie. Ça aurait pu être n'importe où ailleurs, on s'en fout d'ailleurs du nom de la ville. C'est un crime qui est commis par des barbares. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on va avoir ces barbares au pouvoir. Il faut le savoir. Si cette gauche, la pourrie, elle passe, eh ben nous, on est cuit. Voilà, on sera cuit. Comprenez ça? On n'aura plus où aller, on n'aura plus rien ici. Parce qu'ils sont tarés. Ils ont la haine. Mais une haine qui n'est plus contrôlable aujourd'hui, il faut comprendre. Quand vous avez une Rima Hassan qui justifie le 7 octobre, un Caron qui justifie le 7 octobre, et d'autres, je ne vais pas dire tous les noms de cette bande de tarés, c'est les mêmes qui, demain, feront la guerre civile ici contre les gens qui ne sont pas de leur obédience, il faut le savoir. Hein. Donc nous, si on tombe dans ce jeu à la con de ces gens-là, on est fini, parce que ça veut dire qu'on ne voterait pas pour X ou Y ou Z, et ben non, il faut voter. Et là, je pose la question à M. Zemmour, j'en profite, hein, c'est un petit aparté. Votre intérêt, certes, est battu en brèche avec ce qu'a fait Marion Maréchal, mais en faisant ce que vous faites, en présentant 330 candidats qui ont 0% de chance, 0% de chance, vous risquez juste de faire passer quelques gens de gauche. Donc, vous prétendez combattre la gauche. Mais moi, je prétends combattre la gauche. Et je vais vous dire, je vais voter RN, alors que ce n'est pas ma tasse de thé. Mais je combats la gauche. Donc, je pense que vous auriez pu faire la même chose. Et ainsi, ce n'est pas grave. De toute façon, vous allez en avoir zéro. Alors, zéro comme ça, ou zéro en combattant, je préfère le zéro qui combat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on en est là. La France d'aujourd'hui, pour moi, n'a plus aucune dignité. Hein, parce que on l'a vu avec cette union de la gauche qui est une union d'hypocrites, hein, mais de vrais antisémites. Le pire, c'est que cette union, elle prend. À Marseille, aux Européennes, LFI a fait 40% des voix, plus que plus que le Rassemblement National. Donc c'est vous dire qu'elle prend cette,
cette union. Et contrairement à ce qu'on veut nous dire, les gens qui votent ne sont pas spécifiquement des Arabes. Parce que vous avez des Arabes qui votent Rassemblement National, LR, Reconquête, Macron et qui voulait. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac quand même. Ça encore, c'est du racisme. Et qui le professe, ce racisme ? Eh bien, ce sont les mêmes. Donc, ces gens-là qui sont racistes, qui sont tarés, c'est ceux-là qui risquent d'avoir le pouvoir en France. Mais c'est délirant, c'est délirant. On n'est jamais passé aussi proche du désastre absolu. On y est presque. Et je vais citer De Gaulle. C'est purement négatif de toujours remettre tout en cause. C'est en somme la marque des faibles, des incapables. Voilà, ça c'est un petit aparté comme ça. Alors, quand vous avez des gens qui comparent, fussent de loin, le martyr du ghetto de Varsovie et celui de Gaza, et vous verrez les différences de capacité d'indignation, les habitants du ghetto de Varsovie n'étaient pas des otages. Je crois pas. Ils ont été massacrés, mais ce n'étaient pas des otages. On compare ce qui n'est pas comparable. C'est vraiment extraordinaire. Et l'idéologie actuelle, c'est qu'il faut bannir tous les idéaux qui seraient nationalistes. Et par nationaliste, il faut entendre qu'ils aiment leur pays, c'est tout. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Là, on vous fait tout un souk avec le GUD, qu'il faut virer et tout. Mais je pose la question, je ne suis pas pour le GUD, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, je le sais, mais bon. Et le GUD, ils ont tué des gens avec des couteaux, ils ont fait des actions très violentes, ils n'ont rien fait. Maintenant, si on dissout le GUD, alors il faut dissoudre de l'autre côté tous les autres. Et là, curieusement, Darmanin, ça ne l'intéresse pas, ça. Lui, ce qu'il veut, c'est se faire réélire à Roubaix. Espérons qu'il soit battu, ça lui fera les pieds, comme on dit. Donc moi, je dis, je vote contre les vrais racistes, et c'est un devoir. Cette fois, nous n'avons plus le choix, car nous sommes au bout de la route. Et il faut le savoir, après le 7 juillet, peut-être que la France ne sera plus la France. Allez, je vous laisse là, et comme d'habitude, je vous le dis, on est mal, on est même très mal. Et là, c'est sérieux.